Les vraies qualités d'une basketteuse ou d'un basketteur, c'est surtout le côté mental. C'est d'un, de savoir faire les concessions pour être dans un groupe. Comme tout sport collectif, ça de vouloir gagner, d'être un battant, toutes ces choses-là. L'intérêt du basket, c'est justement qu'on te demande un peu tout. On ne te demande pas seulement de sauter haut, ou de seulement courir vite, ou de courir longtemps, ou d'être fort. On va te demander d'avoir un peu tout, quoi. Au fur et à mesure que le temps s'approche, l'orage arrive, là, ta concentration augmente. Par contre, au niveau de la pression, c'est souvent le cas aussi qu'elle augmente en même temps, quoi. Et ce que tu veux au niveau de la pression, c'est que ça te donne une stimulation, que ça t'amène une forme d'adrénaline, mais qu'en aucun cas, ça t'anime toute la puissance que tu peux rechercher dans cette pression-là, quoi. Quand le coup d'envoi est donné, moi, j'entends plus rien, quoi. C'est malheureux à dire, mais les supporters, quand ils sont là, je les entends à l'échauffement, je sens quand ça pousse, mais au-delà de ça, si quelqu'un parle dans les tribunes, je l'entends pas, quoi. Moi, je suis omnibulé par mon événement. Je prends du plaisir à pouvoir organiser, que tout soit huilé, que tout se passe bien. Et là, moi, j'ai fait mon travail, quoi. Et là, je suis satisfaite. Je pars du principe que le basket est un sport intelligent. Et fait pour des gens intelligents. C'est un sport où on demande de réfléchir. À un moment donné, il faut savoir aussi, quand on est capitaine, être un leader. Et être un leader, c'est pas toujours non plus dire des choses que les gens ont envie d'entendre. C'est encourager, c'est certain, aider, pousser, et puis aussi de temps en temps recentrer. Et recentrer, c'est aussi dire des choses qui sont pas toujours faciles à entendre de la part de mes coéquipières. Bien sûr qu'on a 18 points d'avance. Mais il faut qu'on continue à jouer de la même manière, avec le même enthousiasme et surtout en défense, la même volonté de bien faire en défense. Il faut qu'on se donne toutes mutuellement des solutions. Quand on a commencé à merder, c'est qu'il y en avait une qui jouait et les autres qui regardent. Allez. On prend 10 filles au hasard, bon, pas au hasard puisqu'on les recherche pour des qualités de basketteuse, mais au hasard, et on leur dit voilà, vous êtes 10. Pendant un an, vous allez vivre ensemble, vous êtes supposés vous aimer. Les gens qui croient que ça peut exister, ils sont complètement à côté de la plaque. Il y a des étincelles de temps en temps, et moi je reste persuadée que l'étincelle est bonne. Vaut mieux se dire les choses que d'avoir la fâcheuse tendance à être hypocrite. Par contre, quand on arrive sur le terrain, on est toutes les meilleures amies du monde. Ça c'est certain, parce qu'il y a un truc qu'on a en commun, c'est l'objectif. L'objectif de faire gagner l'équipe. Les séquelles physiques,
Elles sont peut-être propres au basket, mais sont surtout propres au sport de haut niveau. Moi, j'ai un doigt qui est tordu, il se remettra jamais. Une hernie discale sur une vertèbre, c'est clair que je vais le traîner, quoi. Le sport de haut niveau amène de telles émotions que seul le sport peut amener, que ça vaut bien effectivement quelques douleurs plus tard, qui te les rappelleront. Il faut qu'on y aille. C'était 27 qu'on en a pris. Si on peut gagner, faites plus. D'être deux fois champion d'Europe, cinq fois champion de France avec Bourges. Bon, on va passer les titres, ça fait un peu que je travaille à EDF. Oui et non. Non, quand je vois les salaires des footballeurs, et 100 fois non, je trouve que c'est ahurissant et je me dis, attends, mais moi, les concessions, c'est les mêmes qu'eux. Mais d'un autre côté, j'ai eu plein de titres, j'ai eu de la reconnaissance collective, de la reconnaissance individuelle. J'avais des rêves, j'y suis arrivée. Je voulais être capitaine de l'équipe de France, je suis capitaine de l'équipe de France. Je voulais faire partie des meilleures meneuses d'Europe, j'en fais partie. Je voulais faire les Jeux Olympiques, je veux aux Jeux Olympiques. Je veux dire, j'ai tout eu, quoi. Et où je peux me plaindre? Où?